La police décide de mettre pied à terre, mesdames et messieurs, dans Bel Air. Il faut que nous disions qu'il y a un pile nègre qui tombé, et qu'il y a l'autre qui blessé, et qu'il y a divers flottes, tout, mesdames et messieurs, pourquoi on a parlé là, personne pas eux. Eh ben, la police, ces derniers temps, qui a tenté récupérer quelques territoires perdus, gens qui est ancienne ministre de justice, ça t'a dit, et Émilie Prophète. Eh ben, je dis là, avec un nouveau gouvernement, ça, mais gars, il connaît tellement pas gagner question territoire perdu, ou même, il a dégagé, ou coumet Jean-Jacques, donc, pour récupérer tout territoire, il t'a dit qu'il perdit. Bon, je dis là, est-ce qu'il est capable de faire confiance avec le gouvernement, ça, parce que, selon le colonel Himmler Rebut, nous, ouais, la police qui débarquait, soi-disant, ils ont récupéré l'hôpital général, et avec divers autres bâtiments, l'État t'a gagné, côté bandit, t'a metté la patte sous. Eh ben, Abdou, la police, viré doya le pour un, pour deux, bandit au tourné, donc, c'est eux qui ont fait théâtre dans la zone, là. Qui donc, selon colonel Himmler Rebut, nous semblait prendre un, et, non, théâtre là, entre Kenya et l'État haïtien. Nous, ouais, journal, là, dans le pays Kenya, guettant d'où, oui, force Kenya, ceci, force Kenya, c'est là, dans le pays d'Haïti. Bon. Nous, ouais, depuis que ça a rentré, pour qu'on ait une balle qui pété, c'est devant l'ambassade américaine, il y a pas osé. Nous payons pour venir aider nous avec insécurité, et qui ça vient faire, c'est l'ambassade américaine, nous vient sécuriser. Eh ben, nous allons inviter au bien tout détail dans la vidéo, ça, sur opération choc, que la police menait dans Bel Air, là, hier soir, pour arriver matin, hein. Eh ben, côté, gagné pour petit 7 bandits, déjà, et voyager pour pays sans chapeau et sans compter divers lots qui blessent grave, mesdames et messieurs, gagné qui courir à balle sous eux selon toute information. Faut que nous dou Bel Air là, et c'est une zone que la police semblait pas décider et rentrer dans question et territoire perdu parce que y a metté toute maille qui gagne toute et ça au capable faire pour même et bien mettre zone Bel Air safe j'ai quelque longtemps. Ah, si c'est vrai que, il y a des zones, c'est pas en 2024, là, nous connaissons des zones, c'est des zones fragiles, c'est depuis longtemps. Mais, j'en vais aller revenir journée, jeudi, là, franchement, c'est grave. On écoute pour plus de détails, TV Lakay, n'a pas tourné. Eh bien, n'a pas salué Normil. Normil, on rentre directement avec l'actualité par rapport à l'opération la police a mené. Bandit tombé là, c'est pas jouet. Oui, bonsoir Jimmy, bonsoir toute l'équipe, on a fait bon TV, Jaswa au niveau de la communauté haïtienne, là. Cap chercher contre qui ça cap passer la caille par le biais de mon à bon TV. Nous saluons Pradel là et nous quelques nous pas parler ensemble. Et bien Jimmy, dans le moment qu'on a parlé là depuis le matin, c'est que la police qui s'est fait intervention au niveau de Front National et Environnement par rapport que côté que il y avait ces ouais c'est capable de déloger les bandits belins qui voulaient prendre Front National pour eux. Et bien, il était vers les 2 heures côté que moi j'ai une dernière information. Dans le cadre d'opération, c'est que la police arrive et mettait deux dans les 7 bandits. Mais pour nous, dans le moment où nous parlons là, voilà, jusqu'à présent, il y a des feux et des rafales d'armes automatiques qui avaient des tensions de cabine jeunes nous. Même au niveau de champ de masse, c'est qu'il y a quelques petits coups et tout, parce que la police est obligée de mettre des pieds à terre par rapport que bandit, qui est obligé à l'ouest, capable de reprendre l'espace de l'hôpital général là. En plus, coup d'âme de démarrer, sur toute information moins jeune. Mais pour le moment, pas qu'on ait si beau bandit arrive à faire loger au niveau du bâtiment l'hôpital là. Puisque nous connaissons hier, le premier ministre Gary Kony, accompagné de directeur général de la police, ils ont visité sur les lieux pour député regarder l'espace qui a été arrivé des délogés bandits autour. Donc, pile bandit qui tombe tout dans le cadre d'intervention. Ça, parce que nous regardons même au niveau de l'unité qui est affectée au niveau du palais national qui est dans la rue. Tout côté, ça, de façon capable de mettre bandits pour capable de déloger bandits. Mais pour le moment, pas qu'on est si bandit, toujours occupé ça. Mais à n'importe quel moment, capable d'intervenir sur ligne sous forme pour que nous capable de dire ce qui s'est passé par rapport que nous ne pas laisser chercher l'autre information. Quand c'était bandit qu'on y a là à combien lié, mais c'est ça qui tombe au niveau du Bel Air. Voilà, nous précisons qu'il y a au moins 7 bandits qui t'a déjà tombé. Et comme c'est qui groupe ça? Est-ce que c'est M. Vivant Samio ou c'est à l'autre groupe? C'est toujours Vivant Samio parce qu'à ce moment-là, tout bandit ça fait partie de Vivant Samio. Vivant Samio, c'est une coalition de gangs armés. Il mettait deux. Et puis, il a fini l'autre information. Matin de très tôt, au niveau de l'église, dans l'église Saint-Gérard, du côté de Cafoufeuille, la police, quelques policiers qui étaient civils, tout, avec la police qui était dans la zone, qui avait stoppé bandit, qui était mis dans les yeux, policier 32e, qui fait partie de 32e promotion dans la police. C'est une jeune fille qui n'a pas retenu le nom, qui était perdu la ville, elle a été posée petite l'école au niveau de Rue Caméléon. Et bien, la police est arrivée stopper bandit ça, au dès qu'il est arrivé récupérer même les armes à feu que les policiers ont été servis.
Voilà. Parce que l'on regarde des vidéos, on regarde au niveau de réseau, on regarde que machine qui était bandit là-dedans, il y a même arrivé brûler lui, a dit à tout bandit là-dedans. Ça veut dire qu'on m'a dit que pour boire calé, effectivement. Eh bien, bonhomme, merci en pile. Merci en pile, frère. Ok, d'accord, merci. Je vous salue toute famille, mais qui branche mon affaire bon TV, la famille chez Willis, qui branche dans le Canada, ok, Jimmy, merci, parce que je vais mettre ton pile. Voilà, merci en pile. Donc, on a profité de saluer la Noule qui est avec nous également. Et nous tendez, mesdames, messieurs, bandit cap tombé là. Les Noule, nous tendez, soi-disant premier ministre. Il vous reste 53 dollars canadiens, 84 cents restant dans votre compte. Veuillez entrer. Voilà, excusez-nous. Oui, et la Noule, nous saluons. Olivier Sassanel, nous, on a fait bon TV encore une fois, sans plaisir comme d'habitude, pour qu'on soit capable d'entrer la carrière de l'État, pour nous continuer à informer toute information qui a dominé l'actualité. Et nous, et bien, encore une fois, sans plaisir, nous sommes continuer dans le cadre d'information. Jimmy, et bien, nous, là, les grands titres de l'actualité, et bandit qui a. Et nous, là, Jimmy, au niveau, et bien, Front National, nous avons parlé là, et au niveau Delma 24, Delma et 18, et nous avons fait opération la police, bon affrontement entre Sigil Améo, et nous avons fait base boy là, qui trouve au niveau Delma 24, nous avons parlé là, et bien, fait objet d'attaque, nous avons fait affrontement entre bandits avec la police, nous avons déjà, pour les éléments de formation que nous avons, il y a plusieurs dans Sigil Améo qui tombent. Et bien, nous là, et nous n'avons pas là, et opération qui est lancée, annonce qui débat à population, comme quoi, dans les prochaines heures, il y a parlé à Léon Souffre, bandit, t'es fait connaître, d'alcool, t'es fait connaître, c'est levé, population, après, il y a bien tout bandit, neutralisé. Est-ce que c'est ça qui a déjà commencé? Ou bien, il y a parlé de dialogue, tout. Mais qu'on est là, ça qui a passé là au niveau d'Emma 24, quand la police, vide, finalement, stoppé plusieurs et bandits armés, et quand nous, il y a des armes qui saisissent tout, donc, nous capables de dire, mais toutefois, tout le même cas d'informations, jusqu'à présent, ce sont des gens qui sont très tendus, mais en pile, une population, quelques gens qui étaient obligés de voler gardien, des gens qui tournaient, ils ont été à sorte d'affrontement entre la police avec M. Sigil Améo, ou un gens, c'est Robélé, M. Kempesio, et nous avons tout gagné, Moun Solino, un pile policier Solino, qui vont en selle avec Basmoy là, et bien, qui ont affronté, on va dire, M. Belé, qui ont même trouvé dans le mouvement, vivre ensemble, non? Et gens qui ont tout connu déjà. Toutefois, Dini, c'est une situation très tendue dans mon appel là au niveau de ma 24. Bonjour. Bonjour, frère. Comment nous y est? Eh bien, genou là, nous gagnons souffle, nous là. Eh bien, nous continuons à prier l'éternel. Oui, techniquement, qui ça ou qu'a aidé nous comprendre? Sous jouet qui gagne, bon, moi, je suis jouet, entre équipe Kenya, Haïti, je ne sais jusqu'à présent, qui ça, d'après vous-même, est utile, techniquement. Bon, sur le plan technique, c'est pas comme ça un déploiement fait, surtout le WAPFEL, notre terrain hostile, et qui connaît. Si on déploiement qu'a fait, c'est par rapport à telle situation. Donc, acteur qui impliqué dans la situation, prend ça comme une annonce et yon a une attente. Attente là, elle est dans deux sens. Est-ce qu'il y a joué une porte de sortie ou bien est-ce qu'il y a obligé d'exposer la vie? Yo? Donc, ou même qui prend décision, prend une action offensive. Faut faire avec toute la vigueur et toute la rigueur que ça m'a dit, d'autant que entre deux entités, ou, disons trois entités, parce qu'il y a un gouvernement, il y a un monsieur qui a un amnésie, et puis il y a une force multinationale là. Entre tous les trois mouns, il y a une population lui-même qui s'est en prison, capitaine de délivrance. Donc, à cette population a un petit peu poussé acteur à décider rapidement et acteur international yo bay impression que yo empêtré ça qui capable un petit peu dans un premier temps porter inquiétude dans kanè ki gen zam yo dans un deuxième temps renforcer une action yo. Donc moi quoi que c'est là nous y c'est un bagage qui fait sur le plan technique très mal qu'on a posé tête nous question.
Est-ce que c'est problème économique et financier qui gagne? Est-ce que c'est problème politique par rapport à côté troupes absotia? Il y a des troupes politiques énormes. Est-ce que c'est gouvernement haïtien qui techniquement pas suffisamment préparé pour le cap faire coordination entre trois forces que gagne souterrain pour cap déterminer champ d'action tous et chacun? Tout ceci va venir dans le contrat qui signe entre l'État haïtien et l'État kenyan. Si d'abord, le contrat est légal. Et ensuite, si Mounio a une capacité technique vraiment pour faire face à un problème qui est là. Mm-hmm. Parce que je me dis, vous posez une réserve sous intention acteur. Parce que nous problème qui de nature. Occupation espace son territoire, capette avec des armes de guerre, n'est pas une définition en situation policière. Donc, si vous utilisez des policiers avec des méthodes de la police, ou après la police, ils font belle opération demain matin, ils font une opération, ils rentrent dans le commissariat, et puis le lendemain, même problème, ils viennent reposer encore. Mm-hmm. Parce que la police n'a pas fait conquête et traitement de territoire. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas capable très bien parce que je n'ai pas de dossier même, mais toujours est-il qu'il y a un problème. Parce que l'on fait un déploiement fait pour le fait pour un, prise d'espace là fait pour le fait immédiatement. Mm-hmm. Mais nous sentons tout, ou bien nous comprenons. Faut que tu as dit que le gouvernement Kenya a une précaution. Ou pas ça? Bon. Nous connaissons que tout le monde a fait son un plan politico-juridique qui est sensible. Le président pays côté Mounio sorti, et dès le départ, dès lors qu'il définit l'île, il a rencontré des difficultés sur le plan social, économique et politique de Kaili, qui étaient des difficultés sérieuses. Et au point qu'on voit opposition à Kaili à plusieurs reprises, de mener question devant la justice et il n'y a pas de cap joindre une bonne solution avec la justice. Mm-hmm. Et il y a une aggravation dans le pays Kenya pour le président Ruto sur le plan.